Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en route pour Berlin, donc là on est à l'aéroport de Genève. Et voilà, il y a déjà une pote qui nous attend là-bas parce qu'elle est arrivée. Et voilà. Nous, notre avion il va partir, alors il est actuellement, je sais pas lire l'heure, 4h42. Et notre avion part à 8h55 ce soir. Voilà, exact. De base, on est allé en fait pour le concert de BTS, mais du coup, c'est un peu tombé à l'eau. Mais on y va quand même parce qu'on kiffe. On a trop hâte, ça fait sûrement très longtemps qu'on n'est pas parti en vacances ensemble et qu'on n'est pas allé à Berlin, donc voilà. A plus. Alors, vu qu'on est arrivé un petit peu tôt à l'aéroport, on doit maintenant attendre. En fait, on doit attendre ça. On a pris un vol. On en parle de ça, du prix ou pas? Okay. Donc, en fait, on a pris EasyJet, qui est. Vous connaissez, je pense. Si jamais vous ne savez pas, j'ai un amour inconditionnel pour EasyJet, ce qui n'est pas du tout vrai. Je déteste cette compagnie. Et on a payé 769 francs aller-retour le billet. Bon. Ok, ça va. Mais franchement, honnêtement, moi je trouve que des fois chez Swiss, qui est la compagnie. The best one. Voilà, elles ont des prix qui sont aussi avantageux. Et donc là, on a payé 769 francs aller-retour. Ok, ça va. On décide de prendre un bagage en soute, 88 francs aller-retour. Non, mais est-ce que vous en revenez ou pas? Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que du coup, on arrivait 3 heures, on arrive plus de 3 heures à l'avance, on peut même pas les mettre maintenant. Ouais, du coup, j'en ai obligé d'attendre. On attend aussi notre pote qui arrive, mais ouais, du coup, plus on a à mettre un masque vu que c'est obligatoire. Et c'est super chaud à respirer avec. Voilà. Donc ouais, on n'a plus qu'à attendre avant de pouvoir aller au check-in. Kimli, tu veux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? On est finalement à Berlin, mais ça fait même pas 24 heures, on va déjà aller à l'agence parce que la douche ne fonctionne pas. Et entre temps, Flo m'a habillée. Voilà, exact. Donc, après tes discussions, on a réussi à avoir un nouvel appartement. Exact, et il est clairement, mais mille fois mieux, mais vraiment. Il est clairement mieux que l'autre. La douche fonctionne, ouais. La douche fonctionne, et c'est une vraie douche. Ah, mais on a expliqué le problème. Ah oui, tu as expliqué le problème juste avant. Oui, on a expliqué le problème. Et la douche fonctionne, mais genre correctement, c'est une vraie douche. Donc là, on va faire un petit. Tour de la voilà, on va montrer. Il est clairement mille fois mieux. Et du coup, bah, vu que c'était des problèmes, on l'a pas payé plus. Donc là, c'est la première chambre. Waouh. Tu as deux lissards. Je pense que j'en prends un parce que je bouge une chier. Genre, je crois que j'ai frappé ta tête une fois. Bah, moi, je vais rester avec Flo si jamais je sais pas, vous saviez, mais j'ai dormi avec Flo cette nuit, ça allait super bien. Vu qu'avec Flo, on bouge pas du tout, on a un peu des mamies, on dort comme ça, comme des morts. Donc voilà. Le salon. Salon qui est clairement mieux que l'autre aussi, encore une fois. Il y a tout qui est mieux en fait. Ça, franchement, j'adore. Oh, on va prendre des photos là après. Ok. Et la dernière chambre, rien de spécial quoi. C'est une chambre à un studio. Je pense qu'on va faire ça avec Flo. Ouais. Voilà, ici. C'est celui qu'on va prendre avec Flo. Le duvet est déjà pris vu que Kimli a sauté dans le studio. La cuisine. Et enfin, on a la salle de bain qui est clairement beaucoup mieux qu'avant. Comme on l'allume. Ah, c'est petit. Ok. Non! Bref, anyway, ici il y a un miroir avec un bouton. On a trouvé ça super fun. Qui ne marche plus. Attends. Mince, j'avais pas fait quoi. Anyway. Ah, là, c'est bon. Du coup, see you guys aujourd'hui. Attends, c'est pas le temps d'aujourd'hui qui me dit. Alors, aujourd'hui, on va aller dans le quartier, le truc vietnamien s'appelle Dam Son. On va aller manger et faire un petit. En fait, on va découvrir avec l'un de nos deux potes les plats vietnamiens. C'est ça. Qui ne connaissent pas trop. Et c'est un peu la passe des passes. C'est ça. Donc, voilà. On va vraiment aller là-bas. Après, on va aller faire du shopping dans le camp. Kadewe. Couffer de l'âme, ça, c'est tout ça, tout ça. Et ce soir, on va fêter le fait qu'il passe sur Amazon Prime autour d'un bon Korean barbecue avec du soju, tout ce qu'il faut. Voilà, du coup, see you guys. Our first meal. Ah ouais. Ok, maintenant on est à Pau Pau, c'est le bubble tea de Berlin. Et on a fait une journée, on est tellement crevé maintenant, ouais. On est parti, il était quoi, 8h du matin déjà. Avec la douche, c'était crevant. On est là dans le supermarket, on l'a déjà filmé ça. Ouais. Ouais, du coup là on est l'après-midi, on a fait genre tout le Confusion Darmstrasse et on a acheté ça de Uniqlo. T'as cherché quelque chose toi, non? Il est quelque part dans le sac là-bas. Ouais, on a acheté des t-shirts. On est super crevé, on attend d'aller genre manger ce soir, hein, tout ça. Princess Kimchi. C'est le contraire, bon voilà. A plus du coup.
guys. On est jour 2. Attends, on remonte là. Donc on est en face là, pour le tour, qui est genre un peu l'emblème iconique avec la tour. Il fait beau, on est bien. On vient déjeuner, on a fait mais c'est pas grave. Hey. Hi. Hi. Et là on voit Catherine et Milan sur nos deux potes. On va aller à Random Day Dance. Vous savez tout ce que c'est vu que vous me suivez sur cette chaîne. Ouais, j'espère, ça, et on adore ça. Voilà. Et c'est tout, ça renvoie au karaoké normalement. Yes. On a bien dormi. Enfin, moi je suis allé dormir plus tôt. Moi aussi. Elle un peu moins. Mais normalement ça va bien. So. See ya! On vient d'être devant la place du Random, c'est hyper gênant, y'a personne. Personne, c'est trop ça. Anyway! Bon, en part ça, déjà la dernière fois que je suis à Berlin, il m'avait dit qu'il y avait personne, sauf qu'en fait le truc c'était qu'il s'est allé à une autre place où il y avait plein de monde et on était pas au courant, donc peut-être c'est la même chose. On va voir, en tout cas c'est gênant. On va voir, pour l'instant y'a personne. Ici y'a la tour. Et là y'a la magnifique fontaine. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. On vous redit, les gens ont l'air sûrement sympas, mais c'est juste qu'il n'y a personne, du coup c'est hyper gênant pour nous, surtout qu'on vient pas d'ici. C'est ça. Bon, justement, ça tombe bien parce que si on vient pas d'ici, si on tape la honte, on se casse. Voilà. Les gens, anyway, see you guys. On a enfin trouvé les gens. Donc je vous explique, avant d'aller au Random Dance, il y avait littéralement personne. Bah, on vous a dit en fait juste avant. Là, il y a enfin du monde, il y a plein de monde. Avec... En fait, si vous voulez, bah, raconte pourquoi, qui sont ces gens. Je sais pas qui sont ces gens en fait. En fait, si vous voulez, de base, il va y avoir le concert de BTS. Et vu qu'il n'y a pas, bah, ils sont quand même rassemblés ensemble et il y a plein de clips. Alors, déjà, il y a le Olympia Stadium. Et du coup, ouais, Kimi is having fun. She's dancing all the time. Ici, il y a la mère Angie qu'on adore. Et elle est en train de peindre. Du coup, voilà. A plus. Hello. On est le jour 3. Oui. T'as Thomas. On est à Steakhouse avec les autres, mais il ne veut pas être sur la vidéo, du coup, on ne montre pas. Ah, Tania veut. Non, elle ne veut pas. Ok. On ne va pas montrer Flo, vu qu'elle ne veut pas apparaître sur la caméra. Meilleur pas un like. Voilà, on vient de quitter le pas un like. Hier, on s'est couché. Ben, elles sont... oh, comme d'habitude, je me suis couché plus tôt, vu qu'en fait jeudi, je passe mon permis. Et voilà, je crois que je l'ai déjà dit. On s'est couché à 4h du mat. Voilà, voilà. Et c'est quoi le plan pour aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va aller faire les friperies. Truc qu'on n'a jamais fait avant, du coup, ça va être une super expérience. Et on va aller prendre le goûter chez Dunkin' Donuts. Et ce soir, c'est sushi. Ce soir, sushi on va à un Viet Sushi qui est près d'Alexanderplatz. Et voilà. Et by the way, les connaissances qu'on a fait hier, incroyable. A plus. Anh viết thôi bài tình ca cùng đôi mắt long lanh cầm guitar hát vang la la anh biết sau bài tình ca là bao cô đắm say mà chuyện đâu gián đơn thế này có phải anh đang trêu đùa em đấy không thà tiếng khiến bao nhiêu cô cùng rung động chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không sao thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng đừng cứ em lặng rồi đi anh ơi tình em chẳng như trò chơi mà anh đến đây là lời vì chính em sẽ làm anh chơi vơi trò chơi hết rồi trò chơi hết rồi. On l'a pas encore filmé aujourd'hui hein. Non, ok. Du coup ce matin on est allé à manger House of Wonder. C'est un truc de petit déjeuner moitié japonais moitié normal. Français. C'était si bon, la CD qui était si jolie. Si on a des vidéos, t'as des vidéos oui, toi là-bas? On montrera dans le vlog. Là, on est à Alexanderplatz. On va aller à Galeria Kaufhof. Kim a pris un bubble tea. Moi, comme d'habitude, je fais mon shirt et j'ai besoin de mon café soda. On a pris un banh mi en même temps. Banh mi, ça fait haut. Du coup, voilà. Là, on l'attend. Et ensuite, on va rejoindre les autres ce soir. On fait quoi? House party. Yay. Que ce sera notre dernier soir. Mais on va pas en parler parce que pour l'instant, on veut profiter. Et voilà. J'ai oublié de vous montrer mes habits hier, mais je pense que je vais vous montrer ce soir. J'ai le temps ou en rentrant. Enfin, bref. Today's dinner, we got some pizza slice, fried rice, sausage with bread, pizza, fries, fries, and Catherine. Oh, hello! C'est le dernier jour et il pleut, donc en fait, je crois que c'est un peu un signe qu'on doit partir. Le ciel est triste, voilà. Déjà, en fait, on est nous en face de l'endroit où on allait chercher le café soda hier et puis ils ont plus de café. Ils ont préparé le café parce voilà. Qu'il est maintenant 11h10. Mais au moins, c'est bon signe, ça veut dire que c'est des vrais cafés soda avec la bonne cafetière et tout ça. Bon café mouillé. Du coup, là, on va à Flying Tiger. Parce qu'on adore son café. Et ensuite, on va déjeuner à Benedict. Et l'endroit. Avant, on va acheter à Dunkin' Donuts. Ouais. Et bah, Benedict, c'est un peu genre l'endroit iconique du... pour genre bruncher à Berlin. Donc, on vous fera des vidéos. See you! Je vais me mettre la main.
đợi chờ chàng nhà thơ làm cho lòng em vui ngắn ngơ mùa thu sang đông qua xuân.